Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Tigui Elébé Motinguia, c'est mon nom, je suis initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, je vous présente un livre intitulé « L'homme et la société », livre écrit par Dolph Ndaye Kasonga, que je vous recommande d'ores et déjà, un tout petit livre de 67 pages, facile donc à lire, qu'on peut aisément reconnaître par sa couverture. On y voit deux hommes, Isantu et Itanu, assis sur un banc, l'un tenant une canne à la main, échangeant tranquillement. Le dessin est simple, sobre, mais assez captivant pour retenir l'attention d'un potentiel lecteur. Le livre est paru aux éditions Domi et Famille, une jeune maison d'édition installée en République démocratique du Congo, qui s'est donné comme ça la mission d'encourager les écrivains en leur donnant la possibilité d'être édité à moindre coût. Alors, qui est Dolph Ndaye Kasonga? C'est un jeune Congolais né à Kananga, diplômé en électricité industrielle, actuellement élève, ingénieur civil à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Il est également écrivain, essayiste, philosophe, leader passionné des arts majeurs. Dolph Ndaye est un citoyen indigné et préoccupé par l'actuelle situation de son pays, la République démocratique du Congo. C'est ce qui l'a d'ailleurs poussé tout naturellement à écrire ce livre pour apporter sa pierre à la renaissance d'un nouveau Congo que désire en principe tout citoyen et davantage tout citoyen amoureux du savoir. Il y a dans ce livre de la philosophie, il y a de la sagesse. Il y a également une dose admirable de poésie, ayant compris que l'injection de la philosophie, donc de la sagesse dans le quotidien de la société, apportera un changement factuel. Il s'est donc décidé de se lancer. La philosophie apparaît dans les lignes aphoristiques, dans ses envolées lyriques ou au travers des images truculentes. Tenez, écoutez par exemple comment il parle de ce qu'il appelle la mort de Dieu. Nous sommes ici à la page 16. Dites, n'avez-vous pas constaté que dans notre société, les choses de Dieu sont mal appréhendées? N'entendez-vous rien du bruit des commerçants qui s'enrichissent malhonnêtement derrière la parole de Dieu? Ne sentez-vous rien de la vitupération du sacré? N'avez-vous pas remarqué que nos tactiques sont de couteaux qui tuent la volonté de Dieu? Ne voyez-vous pas que notre société est en train de tuer Dieu? Oh, que vous êtes aussi creux et vide de la moindre substance observatrice, hélas. Écoutez également ce qu'il dit à propos de la sagesse. C'est comme ça un appel à la sagesse, en page 54. Il nous dit ceci. « Alors, ô toi, l'homme révolté, sois philosophe, je veux dire sois sage, forme-toi et arme-toi des sciences jusqu'aux dents comme te l'ordonne Tchèk Antadiop. Ne cesse donc jamais d'apprendre et force-toi de comprendre ce que tu apprends afin de mieux entreprendre. » Autrement dit, entreprends sur une organisation rigoureuse. Afin de connaître l'état adal de la discipline, entreprend, travaille, crée, agit par vertu selon la vertu. Car agir selon la vertu, comme le dit Spinoza, c'est agir sous la conduite de la raison, et tout ce que l'on peut faire d'après la raison, c'est de connaître Dieu, comprendre et faire sa volonté. L'entretien entre Itanu et Isatu, les deux principaux personnages de ce livre, se transforment en une sorte de jasette entre deux hommes. Tous deux épris d'un sens patriotique inouï et animés par une curiosité virile. Ils s'interrogent sur les grandes dispositions de leur société, parcourent les péripéties pour structurer ce qui est devenu leur société. Et ils concluent en se posant des échelles d'ascension aux grandes respirations. Alors, comment conclure? Certainement par les mots de l'auteur lui-même, et ces mots, je les prends en page 11, où il dit ceci. « Alors, cher précieux lecteur, que ce livre nous permette de mesurer nos pieds dans les chaussures de la raison, qu'il renforce notre olfaction pour les senteurs plus agréables, qu'il nous plonge dans les intimités de la vérité, qu'il nous incite à plonger nos mains dans les tréfonds de notre histoire, afin d'y puiser la sève nécessaire pour notre survie. » Qui nous fasse aimer notre culture et nous incite à la sanctifier, à la perpétuer avec une jalousie inouïe, qui nous distancie de la bêtise et nous rapproche viscéralement à la raison, qui nous purifie et nous sanctifie, qu'il permette à ceux qui sont à l'état animal de le transcender pour passer à l'état humain et atteindre par la suite le surhumain, comme le voulait Nietzsche. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours, la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi
en tant que société. Au revoir.